Bon, on va vous parler de la Crim et son nouveau morceau, Colonel Carillo Lourd. Il est posé dans son jet privé, effectivement, certains diront, mais c'est pas lui le jet privé, effectivement, c'est pas lui. Bon, eh, vous avez vu que c'est plus un secret de Polichinelle, vous avez pu voir sur tous les autres titres, Bouscapé, Rap Elite, Rappelstein, Booba et en featuring, effectivement, avec la Crim dans son album. Vous savez, moi, je vais vous dire un truc, la vérité, ça fait 6 mois que je dis que quand la Crim va sortir, Booba va avoir un feat avec lui. La Crim va avoir un feat avec Booba. Moi, je le disais depuis 6 mois à tous mes gars. Les gars me disent, mais c'est faux, c'est faux. Maintenant, l'album est sorti. Booba est en featuring avec la Crim. La Crim est en featuring avec Booba. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Tonton a menti ou il n'a pas menti? Tonton a dit la vérité. Ben, punchline, bah, prenez ça dans votre dent. Hey. Mais les rappeurs français, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez à vouloir un featuring avec Booba? Ou Booba, qu'est-ce qu'il a à vouloir un featuring où ça brille? La bonne question, est-ce que réellement Booba a besoin des rappeurs français pour un featuring? Réellement, non. Donc on peut dire un peu, c'est de la force que Booba il donne. Oui, un peu, oui. Mais est-ce que la vraie question, est-ce que la Crim a besoin de ce featuring-là? Moi, je dirais non. Mais aujourd'hui, tout se passe dans le business. Tu peux pas venir. Alors, c'est vrai, effectivement, la Crim, à la base, c'est un mec du 9-4. Réellement, beaucoup de gens auront pu se dire, mais le featuring, il aurait dû le faire avec Rof. Mais pourquoi avec Rof? La Fouine? Non, pas la Fouine, Karim. La Crim, il a le droit de faire un feat avec qui il veut, qui il décide, quel artiste. S'il décide même de faire un featuring avec les Cacus, avec plaisir, tonton Marcel Acep. Avec Black Swan Kuluna, avec plaisir, tonton Marcel Acep. Avec Baba, avec plaisir, tonton Marcel Acep. Avec Sharkan, avec plaisir, tonton Marcel Acep. Ah, voilà, ouais. On attend que ça. On attend que ça. Mais moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est que vous, les grands, vous ne donnez pas de la force assez avec les petits. Vous donnez pas la force aux petits. Moi, je me souviens, il y a quelques années de cela, avant que tous ces artistes pètent, tonton Marcel prenait un sac à dos, allait donner de la force. Pas qu'aux grands rappeurs, mais aux petits rappeurs aussi. Mais aujourd'hui, tous les médias, vous donnez pas de la force aux petits rappeurs. Vous ne sucez que les grands. Il vous arrive quoi? Ou vous, les rappeurs, vous ne sucez que les grands. Donnez de la force aux petits. Allez voir les petits, donnez de la force. C'est eux qui partagent tous vos sons. Donnez de la force. Bon, en plus, j'ai dit j'allais revenir. Bon, on va parler du morceau, justement, de la Crim. Le son, justement, Colonel Carillo. Bon, lourd, il est pas mal, il est bon, le son, il faut dire. Moi, j'ai toujours aimé la Crim. J'ai toujours du respect pour la Crim. J'adore ce qu'il fait, la Crim. Il est bon. Il est posé dans son jet privé. Il envoie, il dit, le serveur ramène, comment s'appelle, ma côte de bœuf. Et avant de la griller, je bois tout le son. Je connais déjà un mec qui va dire, oh, ça, c'est le diable, ça, c'est le diable, c'est Illuminati, c'est Illuminati. Non, arrêtez. Il envoie des punchlines dedans, il envoie des trucs. Il est fort, la Crim. Faut dire la vérité. Et la Crim est-il aujourd'hui, au moment où je vous parle, le meilleur rappeur français? Mais je vais vous dire, oui, effectivement, il est bon, le mec. En plus, avec sa main gauche, la monnaie qu'il envoie, tout ça, tout. Il y a tac, c'est bon, vous savez. Donc, moi, je dis que, franchement, un gros chapeau à la Crim. On envoie un respect, force et honneur. Ça fait vraiment plaisir de voir un rappeur enfin de retour comme ça, car ça manquait un peu dans le game. Ça manquait un peu dans le game. Donc, grand respect à lui, grosse force. On embrasse toi et sa famille. Continue comme ça et nique le rap français. Dégage tout. Et c'est comme ça, ça se passe. Voilà. C'est ça qu'on veut. On veut pas des bons à rien dans le rap et des mecs qui savent pas écrire, voilà, qui font qu'ambiancer les gens. Après, on dit, ah, c'est les meilleurs rappeurs. Hey, aujourd'hui, on veut des rappeurs à texte. Même. Vous savez, moi, je trouve que quand même, c'est dommage que quand même, dans l'album, ça, c'est mon avis personnel. Je trouve que c'est dommage dans l'album de la Crim, je trouve ça décevant et triste. Pourquoi il n'y a pas Caris dedans? Vous savez pourquoi? Parce que Caris, quand la Crim était beaucoup en prison, Caris l'a beaucoup dédicacé. Maintenant, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Vous savez, on ne peut pas mettre Caris et on ne peut pas mettre Booba.
Donc à un moment, il fallait choisir. Tout simplement, c'était Tonton Marcel. À bientôt la famille. On vous respecte. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Tonton Marcel 91. Tonton Marcel 91, c'est marqué là. C'est marqué là. Tonton Marcel 91, tous mes réseaux sociaux. Je vous embrasse. Abonnez-vous à ma chaîne, Tonton Marcel. Abonnez-vous à ma chaîne, Tonton Marcel. Ciao!